France. C'est magnifique cette phrase. Où est-ce que vous avez dit là, là. Mais non, c'est parce que le truc, c'est vrai. Non, mais le problème, le reproche qu'on fait là. Le reproche que me fait Gilles Verdez, c'est quelque part de parler d'histoire de France et d'ignorer l'histoire du reste du monde. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une conception de l'histoire qui se veut globalisante. Et je rajouterai... Il faut dépolariser les choses. Bien sûr, Gilles. Monsieur, quelles sont vos revendications? On ne vous connaît pas. Merci. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que je me sens citoyen du monde. Bien sûr qu'aujourd'hui, les enjeux sont planétaires et qu'il faut avoir notre fenêtre ouverte sur le monde entier. Mais faire de moi un citoyen du monde, ça ne fait pas de moi un citoyen de nulle part. J'ai une histoire, j'ai un message à apporter, j'ai des leçons à donner. C'est la mémoire de nos pères. Ça s'appelle l'histoire de France. Je vais vous dire, qu'on soit ici depuis comme moi deux générations ou depuis 1000 ans. Laurent, juste un truc, moi ce que je vais défendons retenir. Défendons l'histoire de France et ne laissons pas justement les réacs s'en emparer. Ça va, pardon ! Va me faire chier celui-là, bordel ! Ça va, oh ! Je me tue à faire une émission, bordel ! Et lui, viens, il me casse tout! Moi aussi, je l'aime, la France, et je ferme ma gueule, bordel! Fais chier, merde! Oh merde, ce gars-là! Il vient, là, oh! Hexagone! Hexagone de mon cul, merde! Ça va, merde, ça va! Je suis au bout du rouleau, moi! J'ai des gens à faire entrer, j'ai des gens à faire sortir, j'ai des gens dans mon oreille, bordel! Qu'est-ce que c'est que le stress, bordel? Chier, merde! J'ai des chiffres qui tombent toutes les minutes d'audience! Au bout du rouleau! Amenez-moi une masseuse!